Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente un truc assez grand. Non, c'est pas moi qui est petit. Hein. C'est le Cadillac Escalade. Depuis tout petit, quand j'étais vraiment de cette taille-là, je rêvais d'essayer cette voiture, je la voyais. Je me rappelle qu'il y en avait une qui passait à côté de chez moi. J'ai rencontré cette personne d'ailleurs depuis. C'est une des voitures les plus impressionnantes et qui pour moi représente le plus l'Amérique. C'est comme le 950, mais pour moi l'Escalade, c'était waouh quoi. Et là, je suis trop content aujourd'hui d'essayer grâce à American Car City. Merci à eux de prêter cette voiture. C'est un revendeur qui vend, comme son nom l'indique, des voitures américaines de tout type, des Mustang, des Corvette, des Chevrolet, des Dodge. On a déjà essayé pas mal de choses avec eux, surtout des gros pick-up, ou même des Mustang, des anciennes ou des anciennes Corvette, puisqu'il y a un département classique également. Mais aujourd'hui, c'est ce monstre ici, la taille du bébé. Et regardez encore une fois la hauteur du capot. Comme d'habitude, je vais vous faire le tour de la voiture, je vais vous présenter en détail cette auto, on va parler des caractéristiques et... Ensuite, on va l'essayer sur tout type de route, comme là, un petit peu en ville, des petites rues et autres, et autoroute. Mais normalement, je pense que sur l'autoroute, ça doit être ultra confort. On va voir tout ça. Alors, le Cadillac Escalade. En France, il est en vente chez American Car City aux alentours de 140 000 euros hors taxe. Voilà. Donc, si vous voulez rajouter la taxe, c'est environ 20%. C'est convertible à l'éthanol, ce qui est un plus, puisqu'on a un moteur V8 6 litres 2. 420 chevaux avec 624 Nm de couple et une boîte de vitesse 10 rapports. 10 rapports, ça c'est bien pour pouvoir rouler toujours sur le couple, peu importe le rapport, et même sur autoroute, être très bas dans les tours et faire quelques économies d'essence. C'est un véhicule 7 places, et je vous montrerai ça à l'intérieur, il y a pas mal de choses modernes dessus. En France, on a surtout l'habitude de nos voitures européennes. En gros, chez nous, les gros 4x4, c'est quoi? C'est un Q7, un X7, un Q8 peut-être maintenant, mais ça paraît tellement petit comparé à ça. Là, c'est vraiment la démesure pour nos routes de chez nous, alors qu'aux États-Unis, c'est ultra courant. Vous allez dans New York, ça, il y en a vraiment à tous les coins de rue. C'est équipé du Night Vision grâce aux caméras. Vous allez voir le tableau de bord, il y a une caméra qui filme la route en live. Enfin, c'est waouh! On a un réservoir de 107 litres d'essence à l'intérieur. Ça consomme un petit peu, donc c'est pratique d'avoir un gros réservoir. Aux États-Unis aussi, ce n'est pas les mêmes prix pour l'essence que nous, donc c'est pour ça qu'ils font des plus gros réservoirs. Parce que chez nous, 107 litres actuellement à plus de 2 euros le litre, il va falloir s'y reprendre à deux fois, parce que souvent, vous savez, c'est 159 euros la carte à la station. Au niveau des dimensions de cette voiture, 5,77 m de long, 2,06 m sans les rétroviseurs et 1,94 m de haut. Et c'est pareil, enfin 1,94 m, voilà, je suis 1,80 m. Voilà ce que ça donne. Et je me sens petit, Et c'est pareil, enfin, la longueur du truc, waouh, c'est gigantesque. Au niveau du poids, on est sur 2660 kg environ, et ça peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. Alors, je pense que c'est sur la face avant, le côté le plus impressionnant de cette auto. Le capot ici, donc déjà, il est assez long. On est positionné vraiment loin. Moi, normalement, je suis assis ici, donc ça laisse quand même énormément de place. Alors ça, pareil... Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les SUV et autres pour le côté sécuritaire, parce qu'on se sent en sécurité. Imaginez-vous là-dedans. Quand vous êtes dans un petit Renault Capture, souvent on se dit, bon, voilà, j'ai un truc un peu SUV, mais là-dedans, vous vous sentez invincible. Enfin, on a l'impression que même si vous avez un choc, vous allez être protégé. Et puis, enfin, la taille du truc, c'est gigantesque. Là, on doit être quasiment à 1,40 m de hauteur pour le capot. On a bien sûr des feux 100% LED, des feux de jour ici. La calandre massive, c'est quasiment tout l'avant d'une voiture de chez nous, ça. La plaque format américain ici, qui est quand même assez stylée. On peut voir que tout est peint, on a des capteurs un petit peu partout. Donc ça, je pense que même ici, c'est la caméra
infrarouge qui va permettre d'avoir le Night Vision comme on a sur certaines voitures en France. Je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'on va faire qu'un essai de jour aujourd'hui. On a les caméras ici, puisqu'on a bien sûr des caméras 360. Et sous le capot, je vais vous ouvrir ça. Hop, on a bien sûr les vérins. Et on retrouve le gros V8 situé ici. Donc, on retrouve ici ce gros moteur V8 6 litres 2 de 420 chevaux. Bien sûr, ça va être transmis sur toutes les roues. On va voir qu'il y a de la puissance du couple et ça va nous emmener dans un confort et une puissance, mais assez agréable. C'est pas brutal. C'est pas du tout ce qu'on demande à cette voiture. C'est surtout en fait, de nous emmener facilement. Mais enfin, même la taille du capot, je pense que si j'étais tout petit, je pourrais même pas aller le chercher. Mais, oh la vache, et il est hyper léger. Et ce n'est même pas du métal, on dirait. Si, c'est hyper fin. Waouh! Ils ont travaillé sur le poids des Américains. C'est bluffant, ça. Donc, comme je vous disais rapidement, hein, les feux ici, le grand feu de jour pour voir arriver l'énorme logo Cadillac ici. Et puis, après, quelque chose d'assez simple hein, et un capot hyper long quand même, assez travaillé. Sur le côté, donc là, on voit vraiment bien les 5,77 m. C'est plus long qu'une Mercedes Classe S limousine. C'est plus long qu'une BMW i7. Qui fait 5,39 m, qui était déjà gigantesque. C'est huge. L'empattement fait 3,40 m, ça veut dire donc entre ce milieu ici et ce milieu-là, c'est la taille d'une petite citadine de chez nous. Je ne sais pas quelle taille fait une Smart, mais je pense qu'une Smart arriverait là ou se glisserait dans cette partie-là de la voiture. On retrouve des jantes de 22 pouces aux quatre coins, assez jolies, des jantes de plus en plus grandes, mais ça colle bien. On pourrait peut-être mettre même encore du 24 pouces assez facilement. Au niveau des freins, on a des freins qui ne sont pas si énormes que ça. On a un 4 pistons à l'avant et à l'arrière, on a un simple monopiston. Bon, c'est pas un véhicule fait pour être conduit de façon dynamique, c'est surtout un véhicule tranquille. Et on verra, même au niveau du freinage, ça freine correctement, mais ça ne se veut pas du tout agressif. On a des caméras dans les rétroviseurs ici qui sont énormes, les barres de toit là-haut, si vous voulez mettre un petit coffre de toit, mais pareil, pour y accéder, ça ne sera pas forcément très pratique. On voit que tout l'arrière est surteinté, puisque pareil, on peut voyager à l'arrière. À l'arrière, il y a encore 5 places. Ce que j'aime bien, c'est le marchepied qui se sort à chaque fois, et électriquement. Et donc, hop, on pourra marcher dessus très facilement, il est assez large. Et il se range dès qu'on referme les portes et dès qu'on va se mettre à rouler. Au niveau de la garde au sol, hein, ça permet également de passer quasiment partout. C'est un véhicule positionné assez haut. On a une vingtaine de centimètres hein, facilement. Mais la taille du truc, waouh! Sur l'arrière, une grande partie feu. Regardez le feu, taille du truc. Bien sûr, en full LED également. Donc là, on peut voir qu'on a la partie feu de jour ici. Et ensuite, on a toute l'autre partie qui s'allume lorsqu'on freine. Toujours le logo Cadillac ici qui pareil est gigantesque. Une bande pour élargir encore plus cette voiture hein, sur le design. Vous savez, quand on met des bandes horizontales, c'est pour élargir encore l'auto. On peut voir le béquet là-haut avec un troisième feu stop. Pareil, une vitre bien surteintée. On peut voir qu'il n'y a pas d'essuie-glace ici, mais en fait, il est caché là-haut. Donc ça, c'est bien intégré. C'est Hyundai aussi qui fait ça parce qu'il est caché. C'est plus joli qu'avoir une patte ici et qui se balade. Les plaques format type américain, mais on peut bien sûr mettre nos plaques européennes. Une caméra de recul ici, donc comme je disais avec le pack 360, on nous rappelle ce que c'est, si vous ne connaissez pas. Et 600, c'est peut-être pour rappeler en gros le 6 litres du moteur. Une partie ici en plastique où on pourra monter. Deux gros échappements ici pour quand même faire entendre la sonorité de ce V8. Et je vous ferai écouter ça juste après. Et là, on a une partie qu'on peut sûrement démonter pour pouvoir mettre un crochet d'attelage pour pouvoir remorquer jusqu'à 3,5 tonnes, comme je vous disais. On a les capteurs de parking un petit peu partout. C'est quand même gigantesque. Au niveau du coffre, alors pour ouvrir ça, comment ça marche? Donc, on peut ouvrir soit la vitre du haut, ici grâce à ce petit bouton ici. Et j'avoue que je ne trouve pas le bouton pour ouvrir. Le reste, ce sera sûrement à la clé. Donc, je récupère la clé deux fois et ça m'ouvre tout le haillon. Donc là, on voit que le coffre est en position 7 places et lorsque les deux sièges à l'arrière sont rabattus, on a un volume
de 1175 litres. C'est clairement un kangou, le truc, presque. Donc, dans le coffre, ici, hop, je peux voir ici que j'ai des enceintes de chaque côté. Et donc là, j'ai ces deux places. Et alors, normalement, je clique comme ça. Et c'est censé rabattre la totalité. Donc tout est électrique. Si je fais ça, je peux même relever la banquette d'après là-bas. Et donc de ce côté, il n'y en a pas. Donc comme vous pouvez le voir, on peut rabattre une partie assez grande. Et oh la vache. Donc moi je fais 1m80. Alors si je mets ma tête là-bas, il me reste encore au moins 30 cm au niveau des pieds. C'est gigantesque. Et alors vous ne voyez pas d'ici, mais il y a deux écrans là-bas. Si je veux aller faire du camping, je me mets un matelas ici et on a notre cinéma directement. On a une ceinture ici pour les personnes en haut, parce que j'ai l'impression qu'il y a même trois places encore à l'arrière. Plus on a des ceintures ici sur les côtés. On a notre prise 115 volts, parce que aux États-Unis c'est du 115, mais c'est comme le 220 chez nous. C'est énormissime. Et de cette façon, une fois tout rabattu, vous allez avoir jusqu'à 4000 litres de chargement. C'est juste énorme. Je vous mets 2-3 petits coups de gaz pour vous faire écouter ça. Alors, je crois que tu peux pas, hein, du coup. Bon, vous pouvez le voir, on peut pas le faire trop puisqu'il y a en fait une sorte de limiteur qui permet de ne pas mettre des coups de gaz pour rien. Allez, je vais vous présenter les places arrière. Donc, comme vous pouvez voir, là, le siège, il s'est rabattu comme je l'avais mis. C'est automatique, on a juste appuyé sur des boutons pour le faire, ou sinon, on peut le faire, bien sûr, en manuel. Allez, j'ai mon marchepied ici qui me facilite l'accès à l'arrière. Et lorsque je viens ici, comme vous pouvez le voir, même là, sur la troisième rangée, j'ai énormément de place. Au niveau de la tête, ça a été recreusé sur le haut. Et je suis super bien. Alors, ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est qu'il y a encore 3 places ici. Donc, est-ce que ce serait une 8 places? Bon, en tout cas, chez nous, ce n'est pas homologué 8 places. Ce sera 7 places. Les appuis-têtes qui se sont rabattus également lorsqu'on a appuyé. J'ai des ports USB-C de chaque côté, des portes gobelets de chaque côté. J'ai tout le plafond et les côtés qui sont en Alcantara. C'est juste magnifique. J'ai de la climatisation au plafond pour moi ici. Et je peux même juste appuyer sur un bouton ici, pour pouvoir rabattre cette partie-là. Hop. C'est vraiment pas malin et c'est spacieux. Et en vrai, même sur la dernière rangée, eh bien, je serai confortablement installé. Mais je vais vous montrer maintenant ici. Donc, je ressors assez facilement. Comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'espace. Et hop, je reviens, marche-pied. Je rabats une fois, je rabats deux fois. Et là, je peux aller m'installer sur les places arrière. Alors, les places arrière ont coulissé, donc j'ai juste à retirer ici et je peux refaire coulisser les deux banquettes. Hop et hop. Donc là, le siège, je l'ai reculé à fond, donc normalement il n'est pas dans cette position, mais même reculé à fond, il me reste quand même de l'espace alors qu'il y a 3 rangées dans cette voiture. Normalement, celui-ci est plus comme celui-là là-bas. Attendez, bougez pas, je vous le remets. Bien en position, donc je rentre très facilement et cette fois-ci, vous voyez, l'espace est vraiment bien plus grand. Au niveau des portières, j'ai une bonne finition. J'ai du cuir, pareil, de la Sono ici, avec deux enceintes. Toujours le petit côté bois, des surpiqûres. C'est plutôt agréable. Et là, je suis bien et j'ai mon petit écran personnel pour les deux personnes qui seront sur les côtés. On peut brancher en HDMI, on peut brancher ce qu'on veut si vous voulez vous connecter. En plus, c'est chaque écran ici individuellement à sa prise HDMI. Donc si moi, je veux jouer à la Nintendo ici et à la PlayStation de ce côté-là, on pourra également. Comme je relève cette partie, j'ai toujours les accoudoirs chez les Américains. Ils aiment bien pouvoir être très, très posés. Et enfin, regardez, je suis hyper bien. Moi, je fais 1m80. C'est spacieux. J'ai de la climatisation. En haut également, encore une enceinte ici. Comme vous verrez à l'avant, en fait, c'est vraiment une limousine, clairement. Et je comprends pourquoi il y en a autant et que des gens se positionnent à l'arrière. Pourquoi les Uber en France, ils n'ont pas des escalades? Ce serait parfait, vous ne trouvez pas? On est vraiment bien, on a un plancher plat tout le long. Donc ça, c'est un gros avantage. Et on a de ce côté-là, même une petite boîte de rangement. Si l'on souhaite, on aura notre climatisation qu'on pourra régler ici, donc en quadrizone.
donc de chaque côté, plus à l'avant. C'est vraiment très intéressant. Et là-haut, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on a un grand toit vitré, donc on a des vitres gigantesques. Ça amène de la luminosité malgré le fait que les vitres arrière soient surtentées. C'est un vrai plus. Allez, venez, je vous emmène à l'avant. On va découvrir ça et ensuite on va l'essayer. Et c'est parti, maintenant je vous fais découvrir l'avant. Donc la poignée, déjà, il y a un petit bouton derrière. On appuie ici à l'intérieur et ça l'ouvre parce que, en fait, tout ne bouge pas. Ce n'est pas mobile. Donc hop, elle me dit bonjour parce que j'ai laissé les feux allumés en automatique. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de cette escalade. Sur le côté, on peut voir une partie cuir ici, du bois ici à laqué. Poignée, très simple, siège chauffant, ventilé et ventilation dans le haut du siège. Parce que souvent, c'est cette partie-là qui est ventilée. On a même une partie haute ventilée. On peut choisir où est-ce qu'on veut ou ventiler plus chauffant. Ah ouais, stylé. Les fenêtres, les rétroviseurs, le réglage et pouvoir sortir du véhicule. Petit endroit pour choper la poignée, du cuir pour la couloir et une partie, un endroit la plus plastique ici pour pouvoir ranger ces choses. On a de la sono AKG ici avec pas mal d'enceintes un peu partout. On peut même retrouver des enceintes qui sont dans les appuis-têtes sur la partie avant. Les sièges sont bien sûr électriques, on a tous les réglages, on a du cuir avec des petites surpiqûres, le petit logo Cadillac ici en tout fin. Et au niveau du volant, je vais vous montrer directement mon temps. Donc, le marchepied ici s'est déployé et comme vous pouvez voir, c'est hyper large pour pouvoir me faciliter l'accès. Donc ensuite, je peux me tenir au volant et aller m'insérer dans ma voiture. Allez, je vais reculer le siège à fond. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir à quoi ressemble le volant. La voiture donc, m'a mis l'escalade ici lorsque je rentre pour me dire bonjour, coucou, c'est moi la voiture. Et donc, je vais vous la démarrer. Pied sur le frein, alors le pédalier très très simple, hein, deux pédales en plastique et un repose-pied là-bas, et j'appuie ici et j'ai le gros V8 qui s'anime. Activation de la réalité augmentée, vous êtes prêts? Bam! Regardez-moi ça. Alors les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est juste parce que j'ai un filtre polarisant, mais sinon voilà, on a la réalité augmentée ici, c'est juste dingue. On a cet écran ici avec, vous voyez, des formes bien travaillées. C'est pas un écran carré comme on retrouve sur la plupart des voitures. Et même cet écran ici, regardez, l'écran est taillé ici. C'est juste dingue. Et vous voyez, les voitures sont neuves. Il reste encore les films. J'ai juste envie de les enlever, vous savez, pour le chiou. On a là, on a encore des parties écran ici. Je peux activer ou désactiver mon affichage tête haute. J'ai un affichage tête haute également. Les lignes et les compteurs, je peux changer ici. Voilà, donc si je veux repasser en mode compteur ou la vision nocturne, alors non, c'est seulement quand il fait noir, réalité augmentée que je peux avoir ici, ou avoir la carte des indicateurs. Je peux bien sûr changer mes compteurs et retourner un compteur plus classique, mais c'est une partie écran ici, et pareil, c'est retravaillé, c'est pas un écran droit. J'adore quand il y a ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais vous savez, c'est juste des écrans droits, ça coûte moins cher, là il y a vraiment du travail, donc... Je suis OK que la voiture coûte plus cher parce que tout ça, c'est vraiment quelque chose d'autre. Mais je vous avoue que la façon réalité augmentée, moi, je trouve ça juste extraordinaire. Sur le volant, on va avoir ici notre régulateur. Régulateur devant avec l'adaptatif. Le volant chauffant que je peux activer est juste ici. Je vais pouvoir régler. Là, je vais avoir la commande vocale ici. De ce côté-là, ça va être pour les médias avec le son. Comme je vous disais, il y a une très bonne qualité. Décrocher au téléphone et changer les infos sur l'écran là-bas. On va voir pas mal de modes également. Ici, on va pouvoir monter la hauteur de la voiture, descendre la hauteur de la voiture, avoir les modes ici. Donc, on a un mode promenade, sport, hors-route, remorque et my mode que je peux personnaliser. C'est assez fou. Alors, le mode sport amène toute la puissance et un répondant à la pédale plus dynamique. Sinon, il y a le mode promenade qui peut être bien plus agréable pour rouler au quotidien. On a également de l'auto, le frein de stationnement ici, l'éclairage du tableau de bord ici, plus ou moins. Un aérateur de ce côté-là, un grand aérateur central et deux autres côtés passagers. Toujours ce bois ici, finition brillant, du cuir partout. Pareil, là, c'est retravaillé. On peut voir des petites perforations, donc cuir perforé, travaillé assez bien. Des sonos avec les haut-parleurs ici. Donc, le son est vraiment très, très bon. On retrouve même juste au-dessus de ma tête les haut-parleurs ici.
plus ici, plus comme je vous disais, dans les appuis-têtes, ce qui est assez fou, et les écrans qui sont derrière les sièges, ici très grands pour les passagers arrière. Ensuite, sur la console ici, on retrouve tout ce qui est climatisation et on peut voir également que c'est un écran ici, mais alors c'est pas tactile, ça, on va toucher les touches piano juste en dessous, mais c'est très joli. En fait, il y a vraiment de la technologie qui a été mise dans cette voiture. Pareil, là, je peux refermer cette partie bois. Alors ça, pareil, hein, il existe des options, on n'est pas forcément obligé de l'avoir en bois de cette façon. Et on retrouve prise USB type C, USB type A, l'allume-cigare, le cendrier, double porte-gobelet juste ici. Et ensuite, donc de ce côté-là, on a notre sélecteur de vitesse. Donc j'appuie ici, si je vais vers l'avant, je suis en reculé. On peut voir que les caméras sont de très bonne qualité. Il y a mon trépied derrière et des caméras 360. On peut avoir du grand angle, on peut voir vue d'en haut, on peut avoir les latéraux. C'est franchement très sympa. Ou la caméra de cette façon. Alors, hein, on ne peut pas la bouger nous-mêmes, mais on peut avoir les plans sur le côté, comme ça se fait de plus en plus. Franchement, c'est très sympa. Je peux passer à la caméra avant, caméra arrière, toutes les caméras, vraiment top. Si je veux repasser en mode parking, j'appuie juste ici. Hop, la voiture se remet en parking et ensuite, je peux désactiver. Enfin, ça se coupe tout seul. Et ensuite, passer en drive vers moi ou passer en low parce qu'il y a une sorte de boîte courte. Franchement, assez bluffant. Derrière, on a de quoi activer et désactiver le start and stop, le maintien dans la ligne et le auto hold qui sera bien pratique. Ça, pour la ville. Ensuite, derrière, encore touche son. Je peux avoir le volume. Le volume est assez stylé dans cette voiture. Franchement, on a une très bonne qualité sonore avec le AKG et les infos ici pour aller pouvoir jouer avec là-haut. Et c'est pareil, donc la molette qui me permet, comme sur beaucoup de voitures, hein, de tourner et aller dans les menus. Je clique et je peux retourner. Et on a toujours une fonction home comme on a maintenant beaucoup sur les voitures ou sur les smartphones. C'est quelque chose dont on a l'habitude. Je vais refermer ça ici. Alors ensuite, on a encore deux ports USB type C ici. On peut refroidir cet endroit ici, donc la glacière, on peut mettre ses boissons et c'est vraiment typé frigo et il y a un joint d'étanchéité pour que ça reste bien frais même si la voiture est au soleil. On peut avoir la prise que l'on va activer, la carte SD ici pour ce qui sera GPS et son téléphone que l'on peut glisser à cet endroit là. Franchement, c'est le top et l'espace qu'on a, enfin regardez la taille de la console centrale, c'est gigantesque. Et moi, je suis trop bien avec cette vue. J'ai hâte de vous emmener sur la route avec. Là-haut, on a ça. On a les miroirs. Donc, pareil, ils sont encore tout neufs. On peut le voir, c'est très joli. Sur le haut, le rétroviseur. Alors, là, j'aurais peut-être aimé un petit effort avec un borderless. Mais là, j'ai le volant chauffant qui chauffe. Ça me fait trop de bien. Et là-haut, tout ce qui va être les lumières et pouvoir régler le store puisqu'on a quand même un toit vitré et ouvrant. Donc un petit peu panoramique, il aurait pu être maxi panoramique vu la taille de la voiture, mais on a la partie avant qui s'ouvre. Et là-haut, vous savez, en Amérique, lorsqu'on arrive, on peut à la maison avoir les ouvertures de portail directement en appuyant ici et on peut rabattre les sièges d'ici. C'est vraiment très très cool. On a la touche SOS également. Voilà, je vous remontre un petit peu le siège, à quoi il ressemble. Et la boîte à gants ici, pareil, assez spacieuse avec le gros anneau de remorquage ici. Bon, je pense que je vous ai montré la plupart des choses. Il va être temps d'aller laisser cette voiture maintenant. Allez, c'est parti avec ce Cadillac Escalade qu'on va découvrir sur la route. Donc on part de ce petit parking, on va faire tout type de route. On va commencer là par ce petit village du 91. Donc, mon siège réglable tout automatique, heureusement j'ai pas mal de réglages. Drive, ce qui est bien c'est que je commence directement avec ma réalité augmentée comme je vous disais, ça c'est des choses que je peux personnaliser. On va commencer donc en mode promenade, donc j'appuie mode promenade pour y aller à la cool et ensuite on verra le petit mode sport juste après. Donc, ce qui est bien c'est j'ai ce petit ronronnement de V8 qui fait plaisir, mais en fait, alors ce qui est assez impressionnant, c'est même lorsque je pars à l'arrêt, le démarrage est ultra, ultra smooth. C'est même mieux qu'une voiture électrique presque. Et en fait, là je suis à l'arrêt, donc là je peux mettre mon auto-hold, ce qui me permet de pouvoir relâcher la pédale de frein. Ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Il y a le start and stop aussi sur cette voiture, clignotant.
Alors je pense que la chose la plus impressionnante de cette voiture, je pense que ce qui vient le plus de m'épater, c'est justement ce départ qui est ultra fluide. Ensuite, donc on a une boîte 10 rapports pour faire en sorte qu'on soit toujours très bas dans les tours. En gros, le but, c'est de quasiment jamais dépasser 2000 tours minute. Là, on est sur une route très dégradée. Par contre, je suis sur une petite route de campagne et avec ma voiture, là, je prends clairement toute la route de campagne. Hein. Comme vous pouvez le voir, et là, il y a un Dacia Duster qui arrive en face. Alors, le truc a l'air rigigi. Ah, il passe là. Ah, il est passé juste. Mais j'ai l'impression que c'était une Twingo, le Duster. J'adore la réalité augmentée. C'est magnifique. Alors, ça peut être dérangeant, peut-être, je pense, à force, parce que ça attire un petit peu le regard. Mais pour montrer aux copains, je pense qu'il n'y a rien de mieux. La direction est facile. On a un beau volant rond. Alors ça, j'aime bien les volants bien ronds. Ça permet de toujours savoir où est notre jambe de volant. Et là, comme il est chauffant, je me fais plaisir au bout des doigts. Et en vrai, j'ai absolument pas envie de conduire cette voiture vite. J'ai juste envie d'y aller tranquillement de cette façon, à la cool. Et le mode promenade, je trouve qu'il convient vraiment très très bien à cette voiture. C'est agréable. Et j'ai quand même cette petite mélodie de gros moteur qui fait plaisir. Alors, il y a des voitures qui se veulent vraiment très silencieuses pour le confort, le premium, c'est ça également. Mais c'est également ce côté très silencieux et en même temps ce côté gros moteur qui fait « Ouais, je suis dans une belle voiture, j'ai quelque chose de premium. » Et toujours la grosse motorisation rappelle toujours un petit peu le luxe et un petit peu, bah voilà, on a une belle voiture. Donc, d'un côté, c'est sympa, mais lorsque je suis à régime stabilisé comme ça, là je suis à 50 km/h, j'ai l'impression d'être à 12. Je l'entends quasiment plus, c'est juste au petit moment des accélérations, mais c'est plaisant, c'est pas le 1 litre 2 de chez Peugeot, clairement, c'est cette douce mélodie de le petit glouglou là qui fait plaisir. Et donc là à 50, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage. On a suspension Magnetic Ride, donc c'est une suspension qui s'adapte, adaptative, qui va gérer un petit peu comment ça va être amorti, plus ou moins ferme selon le mode. Et alors si là je fais un petit peu de zigzag, et bien étonnamment, vu l'engin, ça fait 2,6 tonnes, c'est ultra haut perché, et bien elle prend pas de roulis, justement grâce à cette suspension qui fait que ça va compenser et justement ça va durcir des particules magnétique dans la suspension qui va faire que ça va durcir lorsque ça va se mettre en appui et ça fait que la voiture reste quand même plutôt bien à plat. Je suis assez bluffé parce que souvent les américaines ça a tendance à s'affaisser et autres, alors que là non, pas du tout. Bon, allez, on va aller se mettre à 80 sur les petites routes. Donc là je suis en mode promenade, j'appuie moyennement sur l'accélérateur puisque ça joue sur la réponse de l'accélérateur également, et là donc à 80. C'est d'un calme. Là, il va y avoir des voitures qui vont passer sur le côté. Écoutez, c'est très très bien insonorisé. Je pense que c'est au niveau du très premium européen. On entend un petit peu les bruits de roulement, mais c'est quasiment tout. On a quand même des très grandes jantes avec des très gros pneus. Ah, on teste le freinage avec le vélo parce que là, on peut pas doubler. Sinon, il tournait juste là. Et pour accélérer, même en promenade, clairement, il y a de quoi relancer sans problème. Et la suspension, en fait, on a vraiment l'impression d'être un petit peu sur un tapis volant. Et ce que j'aime, c'est que là, je suis vraiment très haut. Et j'ai l'impression que dans ma vie, je ne risque absolument rien. Et là, d'ailleurs, je suis à 90. En fait, entre 80 et 90, on voit pas de différence. Et je vais passer en mode sport, voir ce que ça donne. Alors, ça m'a tombé les rapports tout de suite. Et on a une voiture qui en veut tout de suite un petit peu plus. Ça répond mieux. La pédale de frein, elle est ferme, mais c'est un freinage très progressif. Et la réaccélération, on a quand même un V8 6 litres 2. Ça y va plutôt bien. Au niveau du freinage, par contre,
de la direction, ça s'est raffermi un petit poil, on dirait. Mais ça prend les virages sans souci. Après, comme je le dis, je le répète, c'est vraiment pas une voiture qui est faite pour clairement faire des chronos ou aller sur circuit. Mais même à bon rythme, c'est assez agréable. Bon, vous connaissez la chaîne, mode sport, drive, on est sur une insertion à la campagne, il n'y a absolument personne, on s'arrête, on a le auto hold et c'est parti. Ça pousse quand même, très franchement, et on est à 100. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est volontaire, on va dire. En mode sport, il n'y a pas de souci, même pour les reprises. Donc là, je suis toujours en mode sport. Là, je suis à 1500 tours minute. Alors, je sais pas en quel rapport je suis. Il y a tellement de rapports. Il y a quand même des palettes derrière le volant. Et si je clique de la palette, non, ça veut pas. Si je passe comme ça, donc là, quand je suis en L, c'est en fait, c'est pas le mode L, c'est pas l'eau, c'est mode palette. Et là, je peux tomber mes rapports. Je lui dis, je veux que tu passes le rapport suivant, mais il va pas le faire direct. Par contre, rétrograder, ça, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, je suis en troisième à 100. Hop, ça va monter. Ok. Donc, par contre, en L, je peux aller jusqu'à un limiteur. Donc, ça veut dire là, je pousse, j'arrive au limiteur à 6000, quasiment à 5000 mètres, mais il veut pas aller plus haut. Et ensuite, il passe le rapport. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est pas fait du tout pour avoir un comportement sportif. Mais si j'ai besoin, je tombe à rapport. Et il y a quand même de la reprise. Mais le mode promenade me plaît beaucoup plus au final. C'est plus agréable. Et surtout, ça va me passer les rapports. Je repasse en drive. Et ça va se mettre en dixième vitesse assez rapidement. Donc là, j'ai mon régulateur adaptatif, ce qui est top. Ce qui me permet de pouvoir rouler tranquillement. J'ai pas la conduite de niveau 2, mais j'ai quand même un centrage de voie, enfin pas un centrage de voie, un maintien dans les lignes. Et à 110 km/h, c'est super bien insonorisé. Quand ça relance un petit peu, on entend toujours ce petit boum qui va bien. Je vais remettre mes consos à 0. Et en vrai, c'est très agréable, même quand on passe à côté de camions ou autre, c'est vraiment très sympa. Les voitures, on les entend peu, c'est bien insonorisé, on a très très peu de bruit du vent. Pourtant, quand on voit la taille du joujou, c'est bluffant. Allez, on va aller se mettre à 130, donc ça relance gentiment, surtout avec le mode promenade. Là, 120, 125, 130. Là, on déplace un immeuble. Hyper bien sonorisé et j'ai l'impression que c'est presque aérodynamique. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, parce que même les rétros sont gigantesques, le rétro fait la taille de ma tête. Il y a un toit ouvrant vitré, donc souvent ça fait un petit peu plus de bruit. Et en vrai, même dans l'habitacle, en fait, on sent qu'on n'a pas besoin de parler trop fort pour s'entendre avec d'autres personnes, et c'est très agréable. On se met un petit peu de musique avec la sono qu'il y a en plus, clairement on passe notre meilleure vie. Je vous avoue, j'en conduis beaucoup des voitures, même des gros SUV. Et ben là, on est quand même dans une autre dimension. Alors, oui, un X7, un Q8 ou un Mercedes GLS fera pareil.
Mais là, on est quand même dans un truc encore plus énorme. Vous vous rappelez, j'avais essayé le Mercedes GLS qui est, je pense, une des plus grosses voitures européennes. Bah là, on est encore un petit peu plus dans l'excès. Mais je vous avoue, je commence à bien aimer. Ouais, c'est pas mal ça pour tirer ma petite Caterham derrière. Je pense que ça tirera sans problème. Et ouais, en plus là, ça consomme pas tant que ça. Je suis une moyenne à 14 litres. C'est pas déconnant pour un si gros bébé avec un gros moteur comme ça. Je me rappelle ma SL55 AMG sur l'autoroute à 130 au régulateur, vraiment en y allant pépère, hein, je faisais 14 litres de moyenne. Et c'était beaucoup plus aéro que ce type de voiture. Bon, et pour la ville, franchement à 50 km/h sur un goutron bien lisse, c'est un confort. Même la suspension, c'est tellement agréable. À chaque fois que je freine, je pense que c'est top. Le auto hold, le start and stop, ça s'arrête. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas un démarreur. Vous savez, genre, c'est, ça démarre avec une sorte de gros alterno démarreur. Je pense que c'est, il doit y avoir une micro-hybridation 48 volts. Et en rond-point, alors on n'a pas un énorme maintien, donc on glisse un petit peu. Mais allez, ça tient quand même bien le pavé le truc. Allez donc. On fait un poil crisser les pneus, mais je suis assez bluffé de comment ça tient le pavé. Et dès que ça commence à glisser un tout petit poil, je sens tout de suite l'ESP qui reprend la main et qui fait en sorte que j'allais pas me mettre dans le décor. Donc c'est quand même plutôt bien fait, c'est très bien calibré en plus. Et par contre, pour les petites rues, il faut juste faire attention un petit peu au gabarit. Et une fois qu'on l'a en main, ça donne envie de se balader tous les jours avec. Alors il y a un truc très original, si par exemple, là j'arrive comme ça et que je vais arriver face à un obstacle et que je ne ralentis pas, mon siège va vibrer. Quand je vais être sur la route et que je vais franchir des lignes, si c'est la ligne de droite, ma cuisse de droite va vibrer. Avec ma fesse de droite, là, sur le côté droit, ça va vibrer. Si c'est la ligne de gauche, eh bien, j'aurai la partie gauche qui va vibrer. C'est assez marrant. J'aime bien parce que ça vous rappelle en même temps, ça vous met tout de suite un petit truc à l'oreille par rapport à quel endroit va vous poser un problème ou si vous allez un petit peu dans l'herbe ou ce genre de choses. C'est quand même pas mal. Bon, nous voici revenus. American Car City, comme vous pouvez voir, il y a un beau stock avec plein d'autos, de gros pick-up. Si vous voulez, n'hésitez pas à venir essayer ça là. Bon alors, ce Cadillac Escalade, qu'est-ce qu'on en pense? Si vous aimez la démesure, si vous aimez le confort, clairement, waouh, il a rien, absolument rien à envier à nos voitures européennes. Personnellement, je me dis que là, j'ai encore plus de place, je me sens encore mieux, je me sens encore plus en sécurité et... si vous aimez bien être un petit peu show-off, clairement, là, je pense que vous allez vous faire remarquer. C'est la voiture, quand les gens vous voient passer dans la rue, genre, c'est gigantissime. Mais j'adore. J'aime bien les toutes petites voitures de sport, genre la Caterham, c'est la voiture de mes rêves. Mais je vous avoue que ça, en fait, c'est, on rentre totalement dans une autre philosophie. Et même quand on n'aime pas, on se met à l'intérieur, on se dit... bah ouais, c'est vrai que c'est quand même autre chose, quoi. C'est, on, surtout, nous, en Europe, on n'a pas l'habitude. Si vous habitez en Amérique, au Canada ou autre, enfin, ça, c'est votre routine. Mais pour nous, à Paris, se balader avec ça ou dans les petites rues, bah, c'est vraiment, vraiment différent. Et personnellement, bah, je trouve ça très, très cool. Effectivement, c'est pas donné, mais quand je vois la taille de la chose, les options qu'il y a et autres, comparé à nos voitures européennes, eh ben, c'est pas déconnant. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, comme ça, moi, ça m'aide. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce qui vous plaît ou qu'est-ce que vous voudriez que j'essaye d'autres comme voiture américaine ou pas, hein, puisque, bon, pourquoi pas, et chez American Car City, c'est des copains, ils sont sympas. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis open pour tout. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.